Bonjour. Aujourd'hui, donc, on est le 27 mai, c'est une journée internationale de mobilisation menée par Greenpeace, autant au niveau de l'Hexagone qu'à l'étranger, pour dénoncer en fait les pratiques de Total. Oui, en effet, Total veut 5 permis d'exploitation. Au niveau de l'embouchure du fleuve de l'Amazon, au large du Brésil. Malheureusement pour nous, se trouve un énorme récif corallien. En cas d'exploitation, en cas de permis accordé, un risque de marée noire, ce serait une catastrophe. L'action donc, consiste à transformer une station-service Total en récif corallien souillé par une marée noire. Donc on a peint des coraux au niveau du sol, à la bombe craie, ce qui fait que c'est biodégradable, et on a collé partout des poissons, des animaux noirs. Noirs pour rappeler les risques de marée noire. Le Brésil aussi agissait aujourd'hui, la Malaisie, et donc plus de 21 stations essence Total étaient visées aujourd'hui, non violemment, par des activistes. Greenpeace en fait n'a pas de groupe local au Pays Basque, c'est BC qui s'en est chargé, donc c'est une énorme opportunité pour unir nos forces dans un but commun. BC, Greenpeace, ANV COP21.